annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés et vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Troisième. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant sa bonté. Ça fait plaisir de se trouver ici. Vous m'entendez au fond? D'accord, maintenant ça va. Oui, je disais, ça me fait plaisir de trouver ici avec vous, de voir des visages connus, des amis de longue date. Ça fait plaisir, et des jeunes également qui me reconnaissent et qui viennent me saluer. Ça me fait plaisir, absolument. Que Dieu vous bénisse tous. Et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, nous passerons un moment de la méditation de sa parole. Ce matin, nous ferons simplement une petite révision. Ce que le Seigneur me permettra de vous dire ce matin, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Nous allons simplement les revoir pour bien les garder dans notre esprit. Nous parlerons ce matin de quelques-uns des derniers événements qui doivent se produire sur la terre. Vous connaissez déjà pratiquement tous les événements, donc ce sera simplement une révision. Mais avant d'aller plus avant, j'aimerais, parce que je vois qu'il y a des enfants ici, il y a pas mal d'enfants, c'est bien. Bon, je n'ose pas vous dire de continuer à procréer parce que la situation actuelle n'invite pas à le faire. Mais ceux que vous avez, conservez-les, éduquez-les à la gloire de Dieu, afin qu'ils soient en mesure de faire partie des 54 000. Alors, pour ces jeunes, pour ces enfants, une toute petite histoire. C'est l'histoire, je vais le nommer Jacques. Jacques était un garçon qui aimait se faire voir. Il aimait attirer l'attention sur lui. Et en tout ce qu'il faisait, il disait, « Regardez-moi! Regardez comment j'écris bien! Regardez comment je nage bien! Regardez ceci! Regardez !» Il aimait vraiment attirer l'attention sur lui. Et un jour qu'ils étaient sur le lac, il avait un petit bateau que son père, que ses parents lui avaient donné. Et il y avait d'autres copains qui avaient aussi leur petit bateau. Et alors, ils ont commencé à ramer pour aller de l'autre côté. Et malheureusement, ce jour-là, les autres ont pris de l'avance sur lui. Et lui, il a crié, « Regardez-moi comment je vais les rattraper! Regardez-moi comment je vais les rattraper !» Et il se met à ramer, il rame. Et effectivement, il constate qu'il s'approche des autres. Parce que c'est un gars fort et il était courageux. Et finalement, ou brusquement, en ramant, une rame s'échappe de sa main. Donc, il est bloqué. Il regarde la rame sur l'eau et avec l'autre, il dit, je vais quand même y aller. Il essaie. Et finalement, dans un mouvement, il a fait un mauvais mouvement et il est tombé dans l'eau. Et alors, on est venu à son secours, on l'a retiré de l'eau, et alors, qu'il était tout mouillé et qu'il passait parmi ses amis, tous ses amis ont crié, « Regardez-moi! 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 » Alors, il a baissé la tête, il était honteux, il est parti chez lui.
Bon, alors, les jeunes amis, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez retirer d'une telle histoire? Où sont-ils, les enfants? Ils sont pas là? Ils sont partis? Oui, dis-moi. Oui, toi, tu tournes la tête, c'est toi. Qu'est-ce que tu peux retirer de cette histoire? Ne pas se vanter. Très bien, absolument. Dieu nous demande d'être humbles, donc il faut éviter de se vanter. Et cela concerne aussi certains adultes, parce que certains d'entre nous, nous sommes un petit peu... D'accord. Donc faisons en sorte pour qu'avec la grâce de Dieu, l'orgueil s'en aille. Bien, je vous invite à incliner la tête pour prier le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons ce matin devant toi. Nous allons ouvrir ta parole et nous voulons te demander, Seigneur, de nous instruire toi-même. Ton serviteur ne sait rien, ne peut rien, mais c'est grâce à toi, Seigneur, que tout peut se faire. Donc inspire-moi par ton Esprit Saint et permets que tout ce qui sera dit vienne de toi pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Bien, alors nous avons dit que nous allons faire ce matin une révision. Nous parlerons, donc je l'ai dit tout à l'heure, des derniers événements, enfin pas des derniers événements, mais de quelques-uns des derniers événements qui doivent se produire sur la Terre. Évidemment, certains ne vont pas se produire directement sur la Terre, certains vont se produire au ciel, mais ce sont quand même des événements qui marquent la fin. Alors, le premier événement dont nous allons parler, c'est le jugement investigatif. Je vais vous inviter à lire Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Si vous l'avez trouvé, vous le lisez pour nous. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Oui, si vous voulez lire, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Bon, il n'y a personne? Alors, nous y allons. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de devant lui. 1 000 000 le servaient et 10 000 000 se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent et les livres furent ouverts. Et pendant que nous y sommes, nous allons lire Daniel 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici... sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Excusez-moi. Et son règne ne sera jamais détruit. Donc, nous avons dit que nous parlons d'abord du jugement investigatif. Bien. Daniel, dans sa vision, voit des juges, il voit des assesseurs, il voit des trônes. Et au verset 13, les versets 13 et 14, il déclare qu'il voit l'ancien des jours, et il dépeint l'ancien des jours, et il voit quelqu'un semblable à un fils de l'homme qui s'approche de l'ancien des jours. Alors, je dis bien, c'est une récapitulation ou une révision. L'ancien des jours, vous le savez, c'est le Père. Celui qui est le fils de l'homme, c'est Jésus. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé.
William Miller, qui a étudié la prophétie de Daniel 8, verset 14, avec ses autres amis, ont compris que le fait pour le Fils de l'homme d'aller vers l'Ancien des Jours, cela voulait dire que c'était Jésus qui allait revenir sur la terre. Et c'est sur ce verset qu'ils ont basé l'aboutissement de la prophétie des 2300 soirs et matins, croyant que Jésus allait revenir le 22 octobre 1844. La prophétie était claire, son interprétation normale, mais il y avait un souci, c'est qu'il s'était trompé du lieu. Jésus ne revenait pas sur la terre, mais Jésus allait quitter le lieu saint du sanctuaire pour aller dans le lieu très saint du sanctuaire, là où il va commencer le jugement investigatif et faire l'expiation des péchés de son peuple. Le jugement investigatif, disons-le, ne concerne pas tous les hommes, mais seulement les enfants de Dieu. L'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, si vous le trouvez rapidement, nous allons le lire. Évidemment, nous n'allons pas lire tous les versets que je vais vous citer, parce que sinon, ça nous prendrait beaucoup trop de temps, parce que je vois que l'heure est déjà bien avancée. Oui, alors, ceux qui sont derrière moi, est-ce qu'ils peuvent lire, trouver ça rapidement pour moi et lire? Alors, je vais simplement citer le texte. L'apôtre Pierre dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et il dit, si c'est par nous que le jugement commence, quel sera le sort de ceux qui ne connaissent pas Dieu? 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Alors, le jugement investigatif va concerner d'abord les morts. Depuis Abel jusqu'au dernier qui va mourir avant la fermeture de la porte de la grâce. Ensuite, Jésus va prendre les vivants. Maintenant, quand a-t-il commencé pour les vivants? A-t-il déjà commencé? Votre frère ne peut pas vous dire. Seulement, il y a une chose. Puisque nous savons que lorsqu'il aura terminé avec les morts, il va commencer avec les vivants, cela veut dire pour nous qu'il est important que notre vie soit en règle avec Dieu. Que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Cela veut dire que nous ne devons pas nous contenter uniquement d'être adventistes du septième jour. Ou pour certains d'être adventistes le septième jour. Parce qu'il y a certains qui sont adventistes le septième jour. À partir du moment que dimanche, d'ailleurs, dès le samedi soir, ils ne sont plus adventistes. D'accord? Je peux vous affirmer cela parce que quand j'étais directeur de jeunesse en Guyane, j'avais fait une réunion avec les jeunes et nous avions parlé un peu de la consécration des jeunes au service de Dieu, du témoignage à rendre, et cette jeune fille de nous dire, « Oh, vous parlez de témoignage, moi. » Vous savez, quand je suis à l'église, et elle était pianiste, mes amis, quand je suis à l'église, le sabbat, je suis adventiste. Mais à partir du moment où dimanche a commencé, lundi, je suis au lycée, je ne suis plus adventiste. Donc elle était adventiste le septième jour. Bien. Donc nous avons dit que le jugement va commencer par le peuple de Dieu, avec les morts et ensuite les vivants. La Bible mentionne plusieurs types de jugements. Par exemple, après le péché d'Adam, il y eut un jugement. Vous vous rappelez? Dieu a dit à Adam ce qui allait lui arriver, à Ève ce qui allait lui arriver et au serpent. Donc il y a eu un jugement. Le déluge était également un jugement. La tour de Babel fut également un jugement parce que Dieu avait bien dit aux descendants de Noé ce qu'ils devaient faire, qu'ils devaient se répandre sur la terre, mais le diable leur a dit, « Mais non, ce n'est pas la peine de vous répandre sur la terre. D'ailleurs, probablement, il y aura un déluge. » Et ils se sont dit, « Bon, ah, c'est vrai ça. Peut-être qu'il y aura un déluge, donc on va faire une tour. »
Et Dieu fit un jugement en confondant leur langage et en les poussant à se disperser. Vous savez également qu'Israël fit face à de nombreux jugements. Et vous savez également que nous serons, nous les élus, nous serons impliqués dans un jugement. Et à quel moment que nous serons impliqués dans ce jugement? Et, pardon, vous pouvez me dire? Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment on sera impliqué dans un jugement? On sera impliqué dans un jugement. Pardon? D'accord, merci. Alors, il faudrait peut-être... Tu as ton micro, dis ça fort. Parce qu'il semble que les autres ne veulent pas le dire. Mais au moins, ils vont l'entendre. Bien, alors. Pendant les 1000 ans? Oui. Alors, nous serons impliqués dans un jugement pendant les 1000 ans parce que l'apôtre Paul dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, nous allons juger le monde et nous allons juger les anges déchus. Bien. Et enfin, il y aura le jugement final, le jugement que j'appellerai le jugement exécutoire, où Satan et ses anges et tous les méchants seront détruits. Maintenant, sachant cela, nous qui sommes adventistes du septième jour, nous avons une position à prendre. Et je veux répéter cela. Ce n'est pas parce que vous êtes adventiste du septième jour que vous avez pris une position concernant le salut. Je veux que ça soit bien clair pour chacun de vous. Ce n'est pas parce que vous portez le nom ou l'étiquette d'adventiste du septième jour que pour cela, vous êtes déjà sauvé. Vous devez, chacun individuellement, avoir une communion intime, personnelle avec Dieu. C'est ça qui est important. Mais l'étiquette de la religion ne sauve personne. C'est pourquoi Jésus déclare, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Maintenant, est-ce que vous faites la volonté de Dieu? À vous de savoir, à vous de juger. Je souhaite de tout mon cœur que Dieu vous aide à faire effectivement sa volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se servira de base au jugement? Vous savez qu'il y a dans le ciel plusieurs registres sur lesquels sont inscrits les noms et les actions des hommes, et même nos pensées sont inscrites sur ce registre, ou sur ces registres. Alors, nous allons nommer trois registres. Premièrement, le livre de vie. Je vous donne un certain nombre de versets que nous n'allons pas lire. Luc chapitre 10, verset 20, Philippiens 4, verset 3, Daniel 12, verset 1er, Apocalypse 21, verset 7. Dans Luc 10, verset 20, les disciples viennent de faire un rapport à Jésus et en disant, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, c'est pas ça, l'important. C'est pas ça. Ne vous réjouissez pas de ça. Mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. C'est ça l'important. Je peux chasser les démons, ou tout le monde peut chasser les démons. Mais est-ce que notre nom est inscrit sur le livre de vie de l'agneau? Vous vous rappelez également que Moïse, lorsque les enfants d'Israël dans le désert avaient péché contre Dieu, ils avaient fait un veau d'or. Moïse supplia Dieu en lui disant, « S'il te plaît, pardonne les péchés de ce peuple. Si tu ne pardonnes pas, efface-moi de ton livre. » Et Dieu lui dit, non, 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 je n'ai pas effacé ton nom, mais le nom de ceux qui ont péché contre moi. Le deuxième livre, c'est celui du souvenir. Dans Malachie chapitre 3, verset 16, Psaume 56, verset 9, et également Néhémie 13, verset 14, la parole de Dieu parle d'un livre de souvenir, ceux qui aiment l'Éternel se parlaient entre eux, et il y eut un livre de souvenir pour Dieu a voulu conserver le souvenir de ce que disaient ces personnes. C'est pour cette raison, mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes assemblés, lorsque nous sommes ensemble, lorsqu'on se rencontre entre frères et sœurs, on est en train de causer. Ne causons pas de toutes sortes de choses, ne racontons pas toutes sortes de blagues. D'ailleurs, je crois qu'il est temps que nous, adventistes du septième jour, vu la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il est temps d'arrêter de faire des blagues. Mais de parler de notre devenir.
parce que c'est ça l'important. Le troisième livre, c'est le livre des péchés ou encore le livre des morts. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16, Matthieu 12, verset 36 et 37, et 1 Corinthiens 4, verset 5. Maintenant, une question importante. Pourquoi Dieu va-t-il faire un jugement préalable alors qu'il sait tout? Alors qu'il connaît la vie de tous. Pourquoi Dieu va-t-il faire un jugement préalable, que nous appelons aussi jugement investigatif? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Ah, peut-être que vous n'êtes pas habitué au culte à avoir des changes. Parce que le peuple de Dieu a une mission. Parce que le peuple de Dieu a une mission. D'accord, c'est une réponse. Et s'il y a encore? Ah, tu as dit quoi? Pour les témoins. Les témoins de Jéhovah? Non. C'est-à-dire que c'est pour... Dieu connaît toutes choses, mais les anges ne voient pas l'avenir. Les anges ne connaissent pas tout. Il doit juger, c'est ce que Dieu a fait, bon. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour révéler la gloire de Dieu. Révéler la gloire de Dieu, révéler la justice de Dieu, révéler l'amour de Dieu. Dieu veut que tout l'univers sache que ceux qui sont sauvés ne le sont pas par favoritisme, mais ils le sont parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie, parce qu'ils ont marché avec Jésus, parce qu'ils ont vécu avec Jésus, parce qu'ils ont agi pour Jésus et par l'Esprit de Dieu. Parce que vous savez, Satan est appelé l'accusateur de nos frères. Et jusqu'à la dernière minute, il accuse les enfants de Dieu. Parce que lui, il sait ce qu'il a quitté. Et il ne voudrait pas, il ne veut pas que les hommes aillent vivre l'éternité avec Jésus, là où il était. Il sait quel bonheur qu'il y a au ciel. Et il sait ce qu'il attend. Donc il veut par tous les moyens possibles détourner les hommes pour les empêcher de vivre avec Jésus. Donc nous avons dit que le premier événement, nous avons dit, c'est le jugement investigatif. Le deuxième événement, le scellement. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3. Est-ce que quelqu'un veut lire pour nous, rapidement? Apocalypse 7, verset 1 à 3. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Merci. Maintenant, la question se pose, c'est quoi le scellement? La servante du Seigneur répond, et je cite, « Il ne s'agit pas d'une marque visible, mais d'un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuellement et spirituellement, de sorte que chacun soit inébranlable, irréprochable. » N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens, disant que Dieu vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Maintenant, pour que l'église soit irrépréhensible, il faut que je sois irrépréhensible. Il faut que chacun de ceux qui composent l'église soit irrépréhensible. Donc, Dieu veut faire le scellement, il fait le scellement pour que ses enfants puissent être sans reproche. Alors, le texte que j'ai cité tout à l'heure, je l'ai tiré de Préparation pour la crise finale à la page 54. Donc, le scellement commence à la conversion de chaque individu et s'achève pour lui à la fin de son temps de grâce, c'est-à-dire à la mort, ou bien à la fin du jugement investigatif. Ellen White écrit, « Actuellement, pendant le scellement, Satan déploie tous ces artifices pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente
et le faire hésiter. C'est dans premier écrit à la page 43. Voici une autre définition du scellement. Le scellement est l'affermissement définitif d'un être humain dans la vérité, la fixation permanente de la loi dans sa vie. Maintenant, la question se pose, qui peut être scellé? Qui peut être scellé? Encore une réponse d'Ellen White. Tout comme un sceau ne peut être apposé que sur un document authentique, de même aussi, le sceau de Dieu ne peut s'appliquer qu'à une vie, écoutez bien, mes amis, qu'à la vie d'un chrétien authentique, consacré au Seigneur. Ceux qui auront remporté la victoire sur le monde, sur les convoitises de la chair et sur le diable auront le privilège de recevoir le sceau du Dieu vivant. C'est dans Manuscrit Release, page 445. Maintenant, la question se pose. Avons-nous remporté la victoire sur la chair, sur le mal en général et sur le diable? Ce n'est pas une chose qui arrive au hasard. C'est une lutte constante et chacun doit pouvoir mener cette lutte. Maintenant, lorsque tous les enfants de Dieu seront scellés, les anges relâcheront les quatre vents, Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Les fléaux se déverseront sur le monde, Apocalypse 16. Et la terre sera dans la confusion. Sachez bien, frères et sœurs, que seuls ceux qui auront été scellés pourront subsister pendant le temps de détresse. Nous avons lu tout à l'heure, Ellen White dit qu'on n'appose pas un sceau sur un document qui n'est pas officiel. Si vous allez à la mairie, quelle que soit la mairie, vous allez avec un extrait de naissance que vous avez fabriqué vous-même et que vous leur demandez d'apposer le sceau, vous croyez qu'ils vont le faire? Non, ce n'est pas un document authentique. Donc maintenant, si vous n'êtes pas des chrétiens authentiques, Dieu ne pourra jamais apposer son sceau sur vous. Et laissez-moi vous dire une chose. Ceux qui n'auront pas été scellés ne pourront pas entrer au ciel. Seuls ceux qui ont été scellés pourront franchir les portes du ciel. Et je voudrais vous dire ceci. C'est maintenant, mes frères et mes sœurs, le temps de se préparer pour aller au ciel. Il ne faut pas écouter des gens qui vous disent « Oh, on a encore le temps. Oh, il ne faut pas aller écouter les gens qui vous effraient, qui vous parlent de persécution, qui vous parlent de ceci, qui vous parlent de cela. » Il y a deux raisons. La première, c'est que nous ne savons pas la durée de notre vie. Et par conséquent, nous devons nous tenir constamment prêts. Nous devons mener chaque jour une vie de prière, une vie de consécration, qui fait que si, au cours de la nuit, nous devions passer de vie à trépas, nous mourrons dans les bras du Seigneur. Et cela est très important, mes frères, parce que vous avez certainement, pour certains, entendu la mort d'un collègue de la Martinique, un jeune homme. Il s'est couché le soir et il ne s'est pas réveillé le matin. Et cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Dans quelles conditions allez-vous passer de vie à trépas? Si vous ne menez pas une vie conséquente, une vie de prière, une vie d'abnégation, une vie de service, une vie d'amour, une vie d'humilité, si vous ne menez pas une vie conforme à la volonté de Dieu, comment pourrez-vous être sauvé? Je le répète, nous disons que nous faisons partie de l'Église du reste. Oh, peut-être même pas. Pour le moment, nous faisons partie de l'Église de la Odyssée. Peut-être ce que je vais vous dire va vous étonner. Pour le moment, nous faisons partie de l'Église de la Odyssée. Mais lorsque les choses vont se corser, lorsque la persécution va s'allumer,
c'est l'église du reste qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est qu'au sein de l'église de la Laodicée, de la septième église, va sortir un petit reste, et c'est ce petit reste qui ira à la rencontre du Seigneur. Maintenant, que chacun se demande, est-ce que je ferai partie de ce petit reste? Personne ne peut décider pour vous, il n'y a que vous seul qui puissiez décider. Ellen White déclare, « Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Jamais il ne sera placé sur le front de l'ambitieux, de celui qui aime le monde, ou dont les lèvres sont fausses, ou le cœur trompeur. » Témoignage, volume 2, page 79. Mes frères et mes sœurs, ceux qui veulent sceller doivent être sans tache devant Dieu. Aucun péché ne peut être toléré dans la vie de ceux qui marcheront un jour en robe blanche avec Jésus. C'est maintenant, frères et sœurs, c'est maintenant le moment pour nous de nous préparer à rencontrer Jésus. Je vous donne une autre citation d'Ellen White. Elle dit, « Aucun de nous ne recevra le sceau du Dieu vivant tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qu'incombe, et je voudrais que vous souligniez cela, c'est à nous qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. » Témoignage volume 2, page 77. Ce n'est pas Dieu qui va faire quoi que ce soit pour nous. C'est nous, avec l'aide du Saint-Esprit, qui allons corriger nos défauts de caractère. Mes frères et mes sœurs, si vous avez, et nous avons tous des défauts de caractère, mais que vous vous complaisiez dans votre défaut, et que vous vous dites, je n'y peux rien parce que mon père était ainsi, parce que ma mère était ainsi, eh bien, je vous assure que le Seigneur vous dira un jour, mais je n'y peux rien, parce que toi, tu n'as rien fait. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux rien faire. Vous avez déjà lu quelque part dans la Bible où Dieu dit, lorsque vous aurez vos problèmes, je rirai aussi. Vous n'avez jamais lu ça dans Proverbes chapitre 1er. Dieu dit, puisque j'ai tendu la main, que personne n'a tenu ma main, puisque j'ai appelé, que personne n'a répondu, eh bien, le jour où le malheur vous saisira, je rirai aussi. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que chacun de nous comprenne qu'il est d'une impérieuse nécessité que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Parce que certains peuvent nous faire croire que le retour de Jésus est encore pour des années. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas pour des années. Le retour de Jésus est bien plus proche que nous le pensons. Et ce qui me fait quelque peu souffrir, c'est de savoir que William Miller et les autres qui attendaient le retour de Jésus pour 1844, ils étaient enthousiastes, ils avaient vendu leurs biens, ils avaient vendu leur maison, ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient et ils attendaient Jésus. Parce qu'ils étaient convaincu que Jésus allait venir à ce moment-là. Maintenant, il y a déjà plus de 179 ans à peu près, ou 180 ans, qu'ils attendaient Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille du retour de Jésus. Et le malin trouve un moyen pour nous faire comprendre qu'il y a encore beaucoup de temps à attendre, que nous n'avons pas besoin de nous presser, que nous n'avons pas besoin de nous stresser, que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, parce qu'on a encore du temps. Et c'est pour cette raison que malheureusement, nous, à l'Église adventiste, nous faisons un tas de compromis et nous faisons entrer le monde dans l'Église. Et Babylone est dans l'Église de Dieu aujourd'hui, malheureusement. Troisième événement, la pluie de l'arrière-saison. Jean chapitre 16, verset 8. Maintenant, mes amis, une fois que les élus auront été scellés,
Dieu leur accordera la pluie de l'arrière-saison afin qu'ils soient en mesure de prêcher l'évangile avec force. Qu'ils soient en mesure de prêcher le troisième message. Frères et sœurs, nous devons prier avec ferveur afin de recevoir la pluie de l'arrière-saison. Ellen White le dit constamment. Pourquoi les enfants de Dieu, les adventistes du septième jour, aujourd'hui, sont si peu enclins à demander le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit leur est absolument nécessaire pour leur permettre, pour leur rendre capable de prêcher le dernier message avec force. Maintenant, quelles sont les conditions pour recevoir le Saint-Esprit? Je ne vais pas énumérer toutes les conditions, peut-être que deux ou trois simplement. D'abord, il faut ressentir le besoin, la nécessité de l'Esprit de Dieu et prier pour le recevoir. Ellen White écrit, « L'Esprit de Dieu n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une nouvelle vie que dans la mesure où il le désire. » C'est écrit dans Parabole, page 421. Si on ne désire pas le Saint-Esprit, Dieu ne va pas nous le donner. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 14 à 16, Dieu nous informe que l'Amérique, la bête immonde de la terre, formera une image à la bête, à la première bête, celle qui monte de la mer. Cette image, qui est en fait l'union de l'Église et de l'État, est sur le point, je dis bien, sur le point d'être totalement formée aux États-Unis. Sachez que sa mise en place entraînera l'imposition des lois du dimanche et avec un renouveau de persécution. Vous savez ce qui s'est passé au Moyen-Âge? Mais laissez-moi vous dire une chose. Le chef de l'Église aujourd'hui, le pape François, n'attend que le signal des États-Unis et de l'Europe pour mettre en place sa loi. D'ailleurs, il pousse les chefs d'État à faire vite pour mettre en place, pour mettre en pratique son encyclique Laudato aussi, de manière à ce que sa loi du dimanche, sa loi, comme on l'appelle encore, la loi verte en quelque sorte. Pardon? Non, c'est pas ça. Pour mettre en pratique cette loi de manière que tous les hommes soient obligés d'observer le dimanche comme jour de repos. Maintenant, vous pensez que c'est éloigné? Laissez-moi vous dire. Le pape avait fixé cela pour l'an 2027. Et lorsqu'il a compris que l'an 2027 est un peu trop éloigné, il l'a rapproché à l'année 2025. Et nous sommes en quelle année? Bien. Je pense que cela doit vous dire quelque chose. D'accord? Bien. Maintenant, une fois que la loi du dimanche sera mise en place, nous ne pourrons certainement plus nous réunir ainsi le samedi. Parce que ce ne sera pas une loi qui va simplement obliger les hommes à aller à la messe le dimanche, mais qui va les empêcher également de se réunir le samedi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, depuis quelque temps, le samedi est en vogue. Tout se fait le samedi. C'est le samedi qui a le plus grand marché. C'est le samedi qu'on fait toutes sortes de courses. Le samedi est mis en vogue pour que les hommes oublient la loi du Seigneur, oublient que le samedi est le jour du repos du Seigneur et qu'ils se consacrent le dimanche. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué également, je l'ai constaté, il y a une certaine émulation pour le dimanche et je constate que la plupart des églises catholiques maintenant sont presque remplies. Tous les dimanches. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que les enfants de Dieu doivent se préparer pour faire face à cette situation. Je sais que certains disent qu'il ne faut pas parler de ça. Je sais que certains disent qu'il ne faut pas effrayer les enfants de Dieu. Je n'effraie personne. Je dis ce qui doit arriver, ce qui va arriver bientôt, afin que chacun se positionne. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment. C'est comme lorsque dans une course cycliste.
Vous savez, lorsque les cyclistes viennent de partir, on a déjà fait une dizaine de kilomètres, et les cyclistes se parlent encore entre eux, ils conversent, ils roulent tranquillement. Mais lorsqu'il reste à peu près 20 kilomètres de l'arrivée, chacun commence à se positionner. Les cyclistes commencent à positionner leur leader pour le sprint final. Et bien, mes frères, nous sommes arrivés dans cette situation. Dans cette situation où Jésus-Christ est dans le lieu très saint, où il intercède pour nous. Et il est sur le point de se lever pour défendre ses enfants. Parce que la persécution est sur le point de s'allumer. Quelle est la position de chacun? Quelle est votre position? Quelle est votre situation devant Dieu? Est-ce que vous avez compris que nous vivons des temps difficiles? Est-ce que vous avez compris que nous vivons des temps solennels et qu'il est important pour chaque adventiste du septième jour de se positionner véritablement aux côtés de Jésus? Est-ce que c'est le cas? Plaise à Dieu que ce soit le cas et que vous soyez vraiment positionnés du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous dire une chose. L'image de la bête dont j'ai parlé tout à l'heure va se former avant la fin du temps de grâce. Je pourrais vous donner plusieurs citations. Je vous donne simplement, si vous avez de quoi écrire, et, événement des derniers jours, à la page 173, et les numéros 839 à 842. Et vous allez voir que la servante du Seigneur déclare que l'image de la bête va se former avant la fin du temps de grâce. Et je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, l'image de la bête est quasiment formée aux États-Unis. Il manque seulement le décret d'application. Alors cela doit vous laisser supposer que la fin du temps de grâce n'est pas éloignée. Et vous savez ce qui va se passer au moment de la fermeture, comme nous disons dans notre jargon, au moment de la fermeture de la porte de la grâce. Le dernier message sera prêché avec force, le message du troisième ange, qui va devenir un grand cri. Ceux qui sont encore dans Babylone vont sortir, et ceux qui sont dans l'Église partiront. Je me suis avancé sur mon quatrième point. Alors, on va avancer. Je vais laisser les autres conditions, puisque je vois que l'heure est déjà avancée. Alors, je passe au quatrième événement. C'est le criblage. Luc chapitre 22, verset 31. Le criblage est une expérience de sélection et d'apostasie au sein du peuple de Dieu. Bientôt, le criblage se produira au sein de notre Église. Mais laissez-moi vous dire, le criblage a déjà commencé. Je vais vous prendre deux exemples. En haut lieu, à la conférence générale, il y a un homme qui est placé dans les communications. Il est venu en Guadeloupe il y a des années. Et cet homme s'est positionné pour la papauté. Vous le savez, il s'agit de Ganoun Diop. Il a laissé clairement savoir qu'il est du côté de la papauté. Donc, au sein de l'Église, le criblage a déjà commencé. Et je vais vous donner encore un autre exemple. Il y a une organisation qui s'appelle Adventist Today. C'est une association d'anciens pasteurs. Ils se sont déclarés clairement du côté de la papauté. Ils sont avec le pape François. Maintenant, mes frères, le criblage, je l'ai dit tout à l'heure, Le criblage va avoir son point culminant juste avant la fermeture de la porte de la grâce. À ce moment-là, il n'y aura plus aucune possibilité pour personne de se convertir. Ceux qui seront en dedans seront en dedans. Ceux qui seront à l'extérieur seront à l'extérieur. C'est à ce moment-là, pendant le grand cri,
que va se former. Non, les 144 000 seront déjà formés, mais ce sont eux, justement, qui vont prêcher le dernier message, le grand cri, et qui permettra à ceux qui sont encore dans Babylone de rentrer dans l'Église de Dieu. Et plusieurs de ceux qui sont dans l'Église, je l'ai dit, vont s'en aller pour rejoindre Babylone. Et laissez-moi vous dire, ils seront les premiers et les plus grands persécuteurs. Mais à ce moment-là, même si la persécution se met en branle, Michaël va se lever pour défendre ses enfants. Et Ellen White dit, c'est vrai que nous serons persécutés, c'est vrai que certains d'entre nous serons emprisonnés, c'est vrai que certains d'entre nous vont rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, mais Dieu ne permettra à aucun de ses enfants à ce moment-là de mourir, parce qu'à ce moment-là, le sang des chrétiens ne servira plus de semence. Dieu permettra à tous ceux, et c'est pour cette raison que nous ne devons pas avoir peur lorsque nous entendons parler de persécution, nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous savons que nous servons un Dieu qui est puissant, qui est tout puissant, et qui ne va jamais abandonner ses enfants, quelle que soit la situation. Et je voudrais vous inviter, vous qui avez des enfants, à préparer vos enfants. N'ayez pas peur de parler à vos enfants de la persécution. Parce que c'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité et ça va arriver bientôt. Il faudrait préparer vos enfants et leur dire que cela va arriver, de se préparer, de s'accrocher à Dieu, parce que Dieu ne va jamais les abandonner. Mes enfants étaient petits, je leur ai dit, écoutez, il y aura des persécutions. Mais sachez bien qu'il ne faudra pas renier le Christ. Parce que si vous le reniez aujourd'hui par peur de la mort, demain vous allez quand même mourir et vous mourrez loin du Seigneur. Mieux vaut mourir pour le Seigneur que de mourir loin du Seigneur. Et jusqu'à présent, de temps en temps, je le répète cela. Donc le cinquième événement, c'est le grand cri. Nous en avons déjà parlé très sommairement. Donc c'est le message du troisième ange qui sera prêché, qui deviendra un grand cri, parce que ce message sera prêché avec force, parce qu'à ce moment-là, les enfants de Dieu auront reçu le Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, et ils pourront prêcher avec force. Donc ce message va provoquer la persécution, d'autant plus qu'au moment où ce message va être donné, les fléaux de Dieu auront déjà commencé à se déverser sur la terre. Et parce que ce sont les méchants qui vont être frappés par les fléaux et que les enfants de Dieu seront épargnés, donc les méchants vont se révolter contre les enfants de Dieu et vont déchaîner la persécution contre eux. Mais rappelez-vous que Dieu prendra soin de ses enfants. Dieu a pris soin d'Élie devant la fureur de Jézabel. Dieu a pris soin des trois jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Ils étaient fermes. Dieu a pris soin de Daniel dans la fosse aux lions. Le Dieu que nous servons est le même aujourd'hui. Donc, il prendra soin de chacun de nous. N'ayez aucune crainte, mais faites-lui confiance, mes frères et mes sœurs. Je vais m'arrêter là parce que l'heure est déjà vraiment avancée. Peut-être qu'un autre jour, si, et peut-être continuer. Donc, je voudrais vous inviter ce matin, frères et sœurs. Vous inviter à tenir bon. La situation ne va pas s'améliorer. Elle deviendra de plus en plus mauvaise. Mais sachez que notre Dieu ne va jamais nous abandonner. Sachez que notre Dieu est là avec nous. Il dit, je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te soutiens. Je viens à ton secours. Mes amis, je ne cesserai de le répéter. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment où nous devons nous trouver près de Dieu. Comme Jean, vous vous rappelez, l'apôtre Jean, qui était toujours sous le bras de Jésus, nous devons nous trouver là, sous le bras de Jésus. C'est là notre place. Et c'est seulement si nous sommes là, maintenant, que nous y serons demain. Puisse Dieu aider chacun de vous. Si certains d'entre vous avaient fait un peu marche arrière,
qu'ils reviennent à l'Église de Dieu, qu'ils se mettent totalement, qu'ils fassent comme l'enfant prodigue et qu'il dit, je vais retourner vers mon père et je lui dirai, mon père, voilà, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, qu'il fortifie votre foi et qu'il vous permette de rester fidèle parce que les temps qui sont devant nous sont durs, mais que vous puissiez rester fidèle et maintenir le cap jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour mettre fin au moment du culte, nous allons chanter au numéro 330, nous chanterons debout. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Numéro 330 de notre hymne et louange. De nous accorder ta grâce, de nous accorder ton Esprit Saint, afin que quoi qu'il advienne, nous tenions bon et que nous te restions fidèles jusqu'au bout. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Communion du Saint.
Saint-Esprit qui vit en nous. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous. Toujours avec nous tous amis.